Bonjour, Isa du 33. Allez, on va se faire un petit... Bon, j'espère que tout le monde va bien. Oh, honte à moi. On va se faire un petit haul action et un haul noz. Bon, je suis allé à noz. Je savais très bien que, au final, j'ai trouvé des trucs. Mais j'étais surtout allé pour des chaussures. Le problème, c'est que y en a, ils sont chiants, quoi. Tu trouves une chaussure, mais tu trouves pas l'autre. En fait, les gens, ils prennent une chaussure, ils se baladent avec. Ben, je sais pas, je comprends pas. C'est le gros bordel dans ces magasins. Je comprends pas qu'on puisse trouver une godasse là, et puis l'autre, ben, tu sais pas où elle est. Tu sais pas, j'ai même été à la caisse et tout. Tu sais pas. Alors, comme certains le savent, je ne suis pas chaussure. Moi, je vais être tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est mes créations, mes machins. Mais les godasses, c'est pas mon truc, voilà, c'est pas mon kiff. Donc avec ma rétention d'eau, eh bien moi je me promène essentiellement en claquettes ou en cric, là, les sabots. Mais bon, je n'ai pas de chaussures. L'hiver arrive. Quand tu grossis, mais tu grossis aussi des pieds finalement. Je faisais du 38 hein, à l'origine. Il y avait la rétention d'eau, je suis passé au 40, voir si je vais être bien tranquille, 41. Mais bon, jusque-là, je m'en foutais un peu. Que là, non, il me faut vraiment des godasses. Donc, après, c'est vrai, j'ai été à Noz. Bon, d'accord, mais bon, comme je suis pas chaussure, il faudrait que j'aille dans un magasin de chaussures. J'irai quand mes moyens le voudront, parce que c'est quand même cher une paire de godasses. Bref, tout ça pour vous dire que ben, je vais boire mon chocolat avec vous. Vous savez d'où il vient le chocolat? Il est où d'ailleurs? Le bougre. Ça me change un peu. Merde, action. Le prix, je sais pas. Ça doit être dans les 1, un peu comme les capoues, je suppute. Le prix, franchement, je sais pas. Alors là, je sais pas du tout. Alors, je vais faire un peu de... Bon, il n'y a pas tout parce qu'évidemment, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, mes toilettes ont été bouchées. Donc, que j'allais acheter du produit. Qui fonctionne pas. Donc du coup je suis allé à Brico et j'ai pris une espèce de produit, ma pauvre. Ça fait volcan dans le truc. Je vous dis pas. Mais bon, ça a débouché mes toilettes. J'ai repris parce que bon moi j'aime bien tous ces trucs là, du vinaigre. Oh, il est un peu coulé. Ménager. Alors celui-là je le connais pas. Parfum menthe. Écoutez-moi, celui-là je le connais pas. On s'en fout, quoi. Ça peut produire une réaction allergique, dis donc. Faites gaffe, les filles. Pour le lave-vaisselle, parce que j'en ai plus. Alors, ouais, il a été ouvert. Bon, en même temps, il doit pas manquer bézef. Il est plein, le truc à ras-bord. Même s'il en manque une, c'est pas bien grave, quoi. Je prends tous mes produits ménagers à Action, hein, mes gazelles. Donc, ça, c'est dans les 4 balles. C'est vrai que c'est assez cher. Mais bon, il te fait tout, hein, aussi. Donc, bon, écoute... Voilà, parce qu'il y en a, ils font pas tout. Hein. Moi, je rajoute que du sel. Je mets même plus de vinaigre. De vinaigre. Du produit, tu sais combien? J'en mets plus. Je mets que du sel. Mettez du sel. Sinon, vous niquez vos lave-vaisselle. L'autre truc, tu t'en fous. Il faut mettre du sel. J'ai repris. J'en fais une consommation, c'est la catastrophe. Mais bon. J'ai toujours un truc à jeter, moi. Je me mouche, machin, les poches, il y a toujours quelque chose à jeter chez moi. Bref. Puis il y a les animaux, machin. Bon, enfin, 3, 3,45, je crois. C'est cher. Et j'ai pris. Mais je crois que j'avais pris deux bouteilles. De l'eau, je bois pas. J'ai oublié les bouteilles d'eau. Donc j'en ai pris une. Mais j'étais persuadée d'avoir pris. Bah, deux bouteilles, les filles, il n'y a pas de bouteilles. Puis j'ai pas le ticket, bien sûr. Mystère et boule de gomme. Bon, alors ça se branchera tout à l'heure. C'est bien de faire des hauls, là, les mégazelles. On n'a pas fort rangé. Ça, je le garde avec moi. Ça va là-bas. Ça va... Mais écoutez, tout va dans la cuisine. Donc, ben, on va tout mettre là. Vous remarquerez l'organisation de la Zaza. Mais écoutez, on ne change pas. Ça, c'est bien. Pareil, hein. Action, réaction. J'en ai pris deux. J'en avais pris deux.
Fabrice se fait bouffer par les moustiques, moi non. Mais bon, hop, peut se gratter le dos, l'oreille, etc. Mais ça, c'est bien. Bon, on range, on s'en fout, les filles. Alors, Noz, qu'est-ce qu'elle a pris à Noz? Bon, déjà, je vais sortir mon sac à main. Ça, c'est à moi. Donc, j'avais fait une ceinture que j'avais faite. Elle est un peu grande, mais c'est sympa, ça casse bien le vêtement. Donc, je l'avais laissé dans la bagnole. Pourquoi, je sais pas. Attends, je vais ranger tout ce qui n'a rien à voir. Moi les poches comme ça, ça je l'ai volé à McDo. Bon. Ça me fera du ketchup, mais gazelle. On range ça là. Et j'ai laissé la voiture là-bas. Et la clé est là. Bon, c'est bien. J'ai laissé la voiture devant le portail. Quand je suis arrivé, les chiens étaient dehors, donc ça sert à rien. Oula, il y a quelque chose qui. J'ai entendu tomber quelque chose. Alors j'ai pris ça, je sais, c'est pas beau, on s'en fout. 1,75€, on va pas pleurer. Il y en avait des noirs et des roses. Les noirs étaient sympas. Les roses aussi, mais t'avais qu'une paire. Donc j'ai pris le 39. Normalement, j'y rentre. Évidemment, la Zaza n'a pas essayé. Bon, j'ai pas pleuré 1,75€, mais tu fais 1,75€, puis 1,75€, puis ça. Mais. Donc voilà, j'ai pris ça. Écoutez, j'ai serré, ça va, ça va. Attends, je vous l'ai dit, je suis pas drôle. J'ai pris ça. Et dis donc, les filles, 1 euro. Non, pardon, je vous mens. 3 euros, 2,99 €. 3 euros. Alors, moi, je n'ai jamais eu de brosse électronique. Attendez, je vais renverser tout ça. J'ai peur que ça fasse beaucoup trop de bruit. Alors, si je commence à prendre un truc par un truc, on a pour 100 ans. On va le mettre à la poche. Je vais l'ouvrir. Je n'ai jamais eu de brosse à dents électronique. Électrique. Je vais l'ouvrir avec vous, je sais pas. C'est nouveau hein, pour moi. Franchement, hein, les filles, je ne connais pas du tout ce système de lavage de dents. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Évidemment, je viens de jeter le. J'espère qu'il ne faut pas un tournevis. Alors ça va me saouler, ça. Je vais te dire. Tout juste Auguste. Bon, ben, il faut un espèce de machin que tu mets là-dedans. Mais ils pourraient le vendre avec, finalement. Parce qu'il n'y est pas dedans. Alors, si tu n'as pas ça, tu fais comment? Tu te démerdes. Hein. Bah ouais. Ils sont mignons. Hein. Si tu n'as pas l'engin, là. Parce que ça ne va pas dedans. Bah, tu te démerdes, quoi. En gros, c'est chacun sa merde et Dieu pour tous, quoi. Putain. Ils sont chiants hein, pour ça. Peut-être. Je voudrais voir avec vous comment. Alors moi j'ai le temps, hein, vous je sais pas. Mais bon, j'ai décidé d'y aller doucement depuis un certain petit moment. Alors, nous allons, mes gazelles, ouvrir ce machin. Ouais, c'est un gadget, hein, parce que déjà on dévisse comment dans ce sens. Ouais, bah c'est mal foutu. Hein. Ah ouais, mais ça. Bon, ça vaut 3 balles. Hein. Ah, moi, j'ai pas ça. Hein. Tu te rends compte, il faudrait un tout petit truc. I wanna what you watch which. Histoire de combler un peu. Bon, mais ça vaut pas. Ça vaut pas. Mais vous me connaissez. Bon, je suis têtu. Ça m'a l'air bien. Mais on dirait que le pas de vis s'est pété. Et si je fais ça? Non, c'est trop large. Et si je fais ça? C'est trop large aussi. Bon, eh bien, écoutez. Je pense que... Ah, ça veut pas. Comment tu... Ils sont complètement cons, finalement. Ils te vendent un bordel comme ça. Ok, 3 balles, mais 3 balles, c'est 3 balles quand même. Hein. 3 x 6, 25. Non, mais j'entends pas. Je rigole.
J'entends par là, il pourrait quand même te donner, enfin te vendre le petit gadget là qui va avec pour ouvrir ça. Ils sont cons, quoi. Voilà, ça y est, ils m'ont énervé. Bon, enfin, bref. On va regarder la pile, à moins que ce soit vendu avec la pile. Non, il n'y a pas le petit truc. Mais comment tu veux? Et puis alors? Je suis une catastrophe ambulante parce que moi, quand j'ai une idée là, elle va pas au cul, je vous le dis. Hein. Je suis terrible. On va trouver un moyen de l'ouvrir. Sans avoir. Alors ça, c'est magique. Hein. Je vous l'ai fait en haul. Ouais. Je venais d'Action, vous savez, c'est pour désinfecter. Les affaires. Alors, vous me connaissez, enfin, celles qui me connaissent savent que je suis têtu. Mais alors, je suis têtu. Mais par contre, je suis très système D, parce que moi, ça, je l'ai pas. Pour ouvrir ça, c'est clair, je l'ai pas, le fait. J'ai pas ce petit machin. Mais on va trouver. Hein. Toujours trouver quelque chose. I wonder want to want to what with. Ah ouais. Avec un couteau pointu, j'y arriverai mieux. J'ai pas de couteau pointu ici. Bon. Je vous dirai dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à l'ouvrir sans le casser. Ça, c'est encore autre chose. Alors. Avant que ça refroidisse. Alors maintenant, on va passer aux bijoux que j'ai trouvés. Pour une fois, c'est relativement rare. Moi, je trouve des bijoux de ceux qui est montré en radio, sur les YouTube. Donc j'ai trouvé cette petite chaîne. Parce que j'ai un bijou à monter. J'espère qu'elle est... Ah oui, non, c'est une grande chaîne. Bon, on sent bien que c'est du plastique. Mais bon, moi, vous savez que j'aime bien les grands trucs. On sent bien que c'est du plastoc, hein, les filles. Donc, c'est du plastique pour 60... merde, je ne sais plus le prix. Excusez-moi. Pour 99 centimes. Oh, merde, j'ai un... Oh, ça va, quel temps. Voilà, donc je l'ai pris comme ça. Pour 4... Bon, tu peux la réduire, hein. Tu coupes les maillons, tu te la réduis. Par contre, on sent que c'est un peu de la merde, ça. Donc, je l'ai pris comme ceci. En chaîne comme ça, là. Bon, voilà, et je l'ai pris en chaîne comme ça aussi, pareil, hein, 1 €, voilà, j'aime bien celle-là aussi, bon, vous sentez vraiment hein, que c'est pas un truc qui va vous faire 100 ans, hein. Voilà, donc j'ai pris ça, et je l'ai pris en couleur, alors ça je jette, en couleur, elle est où? Argentée. Pour 79 centimes. Là-dessus va aller mon scarabée. Qui était là, qui traînait, là, il y a 2 secondes. Voilà, là-dessus, je vais mettre mon scarabée. Alors, c'est pas vendu au même endroit. Vous avez ça, là, qui est vendu dans un bac, complètement perdu au fin fond de la nose, du nose. Et ça, par contre, c'était vendu côté décoration Halloween. Oh, j'ai pas réussi. Enfin, voilà. En argent. Bon, là, par contre, c'est un peu plus lourd. Et un peu plus cher, je crois. 1 €, hein. Non, 79 centimes, pardon. Le 1 €, c'est la chaîne qui est comme ça. 99 centimes. Donc là, avec ça, je vais pouvoir y mettre. Parce que, si vous voulez, j'ai reçu pas mal de pampilles d'une abonnée, enfin, d'une amie, puisque maintenant, on se parle. Et Laura, ça, oui, elle est très, très, c'est une très, très oui, gentille. Elle m'a envoyé des tas de pampilles, des trucs comme ça. Mais pour les monter, moi, j'ai pratiquement plus de chaînes que je prenais à ou sur des bijoux que je cassais ou à Cultura. Mais bon, c'est un peu chéros le bordel. Voilà. Donc moi, les petites, hein, celles-là. Hop là. Alors, je sais pas où je ferai un bracelet. Mais j'en ai pris 2. Je savais qu'elles étaient petites. Ou je ferai un bracelet ou je rajoute pour faire un collier. Mais là, je vais rajouter parce que je veux y mettre mon scarabée que j'ai retrouvé. Enfin, que j'ai retrouvé.
et que j'ai reperdu. Non, mais je l'avais dans la main. Il est pas là. Je suis terrible. Donc, tout ça. Poubelle. Sinon. Ah oui, je l'ai pris comme ça aussi. En forme de boule. Je vais vous montrer. Et je vais tout mettre à désinfecter d'ailleurs. Hop, tu vas voir. Tout ce que j'ai pris là, hop. Dans la machine de action. Bien ce truc, hein. Tu mets tes lunettes, tes clés. C'est génial, ce truc. Et ça te désinfecte tout. Et ils le font beaucoup en Chine. Tu le vois dans les TikTok. Moi, je vois. Il y a une TikTok où elle sort plein de machines, de petits gadgets comme ça. Et à chaque fois, tu vois, ils jettent dans la boîte leur truc. Là. Alors moi, je vais tout mettre à désinfecter. Alors, suivant ce que tu mets, c'est 6 minutes. Sinon, enfin, il faut lire le mot dedans. Pour... Mais bon, c'est parfait parce que on traîne nos mains partout. Puis avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui, je range en même temps que je vous parle. Hein. Ouais. Alors, j'ai pris une tête de mort que j'aime bien. À 79 centimes, mes gazelles. Elle va aller au lavage. Faire au désinfectage. Et j'ai trouvé ça. Vous savez que je suis très... voilà. Donc, je l'ai trouvé. J'ai dit, allez, je la prends, celle-là. 79 centimes. Le reste, mais ça n'a rien à voir. Ah si, j'ai ça aussi, j'ai pris. Le reste, on s'en fout. Alors ça, c'était en caisse. Alors j'ai trouvé ça très joli. Pour 1 euro. Ah merde, elle est cassée. J'ai fait... Voilà. Pour 1 euro, j'ai trouvé ça très sympatoche. Le problème, c'est que je crois que... C'est cassé. Mais bon. Vous me connaissez, pour 1 euro, je ne vais pas pleurer ma mère. Voilà, donc c'est un collier que tu répares. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Bon, enfin, bon, bref, voilà. C'est un... En fait, c'est un raccou que je ne mettrai pas en raccou. Si vous avez mon cou. Ça, ça ne va pas aller à mon raccou, hein, on est d'accord. Donc, c'est une petite décoration. Par contre, au niveau des chaînes, moi, je trouve ça super. Donc, voilà. Par contre, c'est à moi de bien voir comment ça fonctionne. Attends. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Ah, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, non, c'est pas... Il doit y avoir un truc. Moi, je suis pro. Ah oui, là, t'as les deux trucs qui vont comme ça. Ah ouais, et donc ça doit s'attacher. C'est une espèce de bracelet. Mais il faut que je trouve le système. Tu vois, regarde. Hein. Ça doit pendre. Parce qu'il n'y a pas d'attache au bout. Donc ça doit pendouiller. Voilà. Donc ça pendouille, c'est sûr. Enfin, on trouvera le truc tout à l'heure. En tout cas, c'est tout mouillé. Ça, je vais faire un bracelet parce que je trouve ça super joli. Alors, il te faut le réduire juste. Tu le réduis. Tu le mets à la cheville. C'est ta belle cheville. Ça va pas là. Ça non plus. Parce qu'en même temps j'ai vidé un peu la voiture, donc forcément il y a un peu de tout. Ça, c'est la chaîne que je vais mettre à désinfecter. Je passe pas là aussi. Je sais pas. Voilà, écoutez, le reste c'était dans la voiture. Donc, ah si, il y a ça. Alors, bon, je ne mets pas de boucles d'oreilles, parce que moi, c'est que des boucles d'oreilles à clip. Je ne mets plus de boucles d'oreilles à... J'ai les trous, hein, j'ai 3 trous là, excusez-moi, je regardais, je crois que j'entends la voisine. Mais bon, vu que je fais le vlog, le vol, le... Oh.
Le or. Elles sont super jolies, regarde. Mais moi, je vais m'en servir pour autre chose. Je vais les monter. Merde, hop là. C'est super joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, mes gazelles. J'ai fini, mes gazelles. Tout le monde, les gazelles, c'est YouTube. J'ai fini YouTube. Oh là là, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. M'en voudrais pas. J'ai fini ça. Non, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout pour le hall. J'ai vidé ma voiture parce qu'il y avait un gros bazar. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a la voisine à côté là. Alors que non, elle n'est pas là. J'ai fini. Je vais mettre tout ça à désinfecter dans le truc là. Je vais vous dire si pour la brosse à dents, mais j'ai réussi ou pas. Bon, en même temps, c'est ma première. Bon, 1 euro. Non, combien? 3 euros. Donc, je vais tester. Je vais voir si déjà. Mais j'arrive à l'ouvrir, couillon. Sinon, le prenez pas. Hein. Parce qu'apparemment, c'est. Même le pas de vis, il a l'air. Tu sais, il a l'air cassé, regarde. Ça a l'air tordu, l'histoire. Je vais essayer d'ouvrir. Hein. Vous me connaissez, hein. Je vais essayer. Hein, mais j'aurais voulu la manipuler avec vous, en fait. Non, ça non, ça non. Voilà, ben. Le rôle est fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Voili-voilou. Je regarde là-bas, j'ai toujours peur que la voisine arrive. Bon, elle va pas rentrer dans le jardin avec Colin, mais bon. Vous savez, ici, les gens, ils sont un peu spéciaux des fois. Donc, mais non, je pense pas. Mais j'ai entendu. Mais elle devait. Non, c'est pas. Voilà. Oui, je me touche les cheveux. Oui, ce sont mes vrais cheveux, hein. Dit-elle. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Il n'y aura pas d'autre chose aujourd'hui. Voilà. L'instant présent.